c'est fini. Cette course, cette purge, pas terrible, hein. On sortait d'un Grand Prix d'Austin plutôt spectaculaire. Il s'est rien passé, là. En vrai, il s'est rien passé. Verstappen, qui gagne, bien aidé par la stratégie pourrie, il faut le dire, de Mercedes. Mercedes, carton rouge, la strat, c'était pas la bonne. Il fallait rallonger le relais en médium et mettre des softs à la fin. Voilà ce qu'il fallait faire pour concurrencer Red Bull. Ils l'ont pas fait. Ils ont joué au con, bah voilà, 2 et 4, bravo. Alors qu'il y avait peut-être moyen de gagner sur cette course. Donc Verstappen, Hamilton, Perez, Russell qui a fait le meilleur tour à la fin, hein, il n'y avait que ça à faire, le pauvre. Ferrari est vraiment nulle part, 5 et 6. Regardez, ils finissent à 1 minute du vainqueur, c'est juste incroyable. Ricciardo qui a harponné du coup Tsunoda et qui finit à 12 secondes devant Ocon. Et donc là, vous voyez, ça s'est mis à jour. Et il garde sa 7ème place finalement, puisqu'il a reçu une pénalité de 10 secondes, mais il avait accumulé assez d'avance. Et vous voyez, hein, sa strat était la bonne à Ricciardo. Medium plus tendre, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà pourquoi il a fait une bonne perf. Ocon, Norris, Bottas, Gasly, Albon, Joe, Vettel, Stroll, bon, les Aston, voilà, nulle part aussi. Schumi, Magnu, Latifi, Alonso. Alors, Alonso, carton rouge pour l'Espagnol, qui a lamentablement ralenti Hamilton tout un secteur. Donc là, il s'est payé un beau karma, bien fait pour lui. Et Tsunoda, bon, bah, pas de bol, il s'est fait harponner par Ricciardo, il faisait une bonne course. Malheureusement, il ne méritait pas ça, le jeune japonais. Voilà, voilà, je vous laisse. Et puis, on se retrouvera pour le débrief audio tout à l'heure, avant de se coucher.